Bonjour, aujourd'hui nous avons une nouvelle leçon d'orthographe pour niveau de deuxième préparatoire. Orthographe, les homophones, quand ou quand. Quand on entend quand, mais quand on voit quatre différents quand. Il y a quand avec D, quand avec T, quand deux mots ou quand avec C-A-M-P. On va découvrir ensemble quelle est la différence entre chaque quand. Numéro 1, quand avec D. Quand avec D, c'est très connu pour nous. Quand peut être un adverbe interrogatif. Adverbe interrogatif, c'est-à-dire un mot interrogatif, comme où, pourquoi, qui, comment. Il est employé dans les phrases interrogatives. Quand, c'est-à-dire à quel moment. Exemple. Quand viendras-tu nous voir? Deuxième exemple. Quand est-ce que vous êtes libre dans la semaine? Aussi, il y a une autre utilisation pour quand. Quand avec des. Peut-être aussi un mot de liaison. Mot de liaison, c'est-à-dire un mot qui relie deux phrases. Il indique le temps aussi. Quand, c'est-à-dire lorsque. Exemple, rejoins-moi quand tu seras prêt. Autre exemple, je reviendrai quand vous vous serez mis d'accord. Aussi, il y a, on peut dire quand même. Quand il y a même, on met quand avec des. On dit est un adverbe, c'est un adverbe qui a le sens de tout de même. Exemple, quand même il ferait froid, nous irons nous baigner à la plage. Autre exemple, je suis très occupée, mais je vais quand même à la fête. Deuxième quand, c'est quand avec T. C'est synonyme de son côté. Quand avec T est toujours suivi d'une autre préposition, comme A, O ou O avec X. Exemple, quand A. Parce qu'il y a la préposition A, on a mis quand avec T. Quant à notre rendez-vous, il est remis à plus tard. Deuxième exemple, tu peux partir si tu veux. Quant aux autres, je vous demande de rester. Attention, on a mis ici quand avec T parce qu'il y a la préposition au. Et ici, on a mis quand avec T parce qu'il y a aussi la préposition à. Quand, deux mots formé du pronom relatif que plus en. Exemple, j'ai envie de faire une promenade. Qu'en pensez-vous? Ici, c'est-à-dire que pensez-vous? Qu'en pensez-vous, c'est-à-dire que. Aussi, on utilise quand deux mots avec une année, une saison, un mois, un continent. Exemple, la nouvelle version du jeu ne sortira qu'en 2013. Parce qu'il y a une année, alors on met quand deux mots, que plus en. Parce que toujours avant l'année, on met en 2013. Quand aussi, on peut mettre quand deux mots devant les moyens de transport. Exemple, je ne voyage pas qu'en auto. En auto, en autobus, en train. Tout ça, on met quand deux mots.
Quand plus verbe au participe présent. Qu'est-ce que ça veut dire un verbe au participe présent? C'est le verbe qui se termine par ANT. Exemple, René dit convenant. On a mis quand deux mots parce qu'il y a un verbe qui se termine par ANT. Encore une fois, René dit convenant, on n'oublie pas nos livres. Quand, quatrième quand, c'est C-A-M-P, est un nom qui désigne un lieu de rassemblement, un endroit où l'on peut camper. C'est camping en anglais. Quand, c'est le camping en anglais. Exemple, les joueurs changent de camp. Exercice, complété par quand ou quand. Paul finissait toujours plus vite, mais, à sa sœur, c'était bien différent. Il y a ici la préposition à, alors il faut choisir, il faut mettre quand avec t. Voilà, quant à sa sœur, c'était bien différent. Veux-tu aller au cinéma? Ici, on va choisir quand, un mot interrogatif. Quand veux-tu aller au cinéma? Dis-moi, quand je peux venir? La même chose, quand avec des. Ici, c'est quand, c'est lorsque. Quand je veux venir, ou je peux venir. C'est même. Quand il y a même, on choisit quand avec des, quand même. C'est quand même un exercice facile. Bernabé pense quand faisant. Faisant, c'est un verbe qui se termine par ANT. Alors, on choisit quand deux mots. Bernabé pense qu'en faisant des économies, il pourra s'acheter une montre. Exemple 6. Je vais faire du vélo quand ta. Il y a aussi la préposition « à », alors on met « quand » avec « t ». Un lit de quand? Quand ici, c'est le lieu. Un lit de quand est un petit lit. Le camp où j'irai cet été est vraiment bien ménagé. Le camp ici aussi, c'est un lieu, le camp. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.